Les filles, j'ai récupéré mon compte TikTok, je suis trop contente, les filles. Bon, attendez, je m'excite pas trop parce que à tout moment, de nouveau, ça bloque. Mais là, en l'occurrence, ça marche. Donc autant vous dire que là, je vais vous faire des TikTok, mais je ne comprends rien parce que pour moi, ça fait quoi? Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas fait de TikTok. Genre, ça fait super longtemps. Un petit peu en décalage avec les gens qui font des TikTok, mais c'est pas grave. Vous me soutenez ou pas? Voilà, donc ne vous moquez pas de moi, je vais essayer de vous en faire un ce soir. Je suis trop contente! Hello tout le monde, j'espère que ça va. Je vous ai donné 100 nouvelles hier. En vrai, j'avais très envie de vous poster des vidéos TikTok et puis finalement, ma soirée a été tout autre. Donc du coup, j'ai pas pu, mais je le ferai tout à l'heure, c'est promis. Aujourd'hui, je vais tout simplement chercher tout ce qui me manque pour l'anniversaire de Ruby. Je vais répondre à cette question parce que j'ai dû recevoir une centaine de messages. Je vais tout vous expliquer, comme ça au moins vous serez fixés. En fait, moi demain je récupère Ruby à partir de midi parce que c'est mon week-end de garde, donc je la récupère. Et du coup, je vais faire son anniversaire la journée du dimanche, donc je lui ai organisé une surprise. Et à la fin de cette fameuse surprise, elle sera récupérée par son père. Je change de question, mais c'est en même temps la même chose. Donc je vous disais, elle sera récupérée par son père, tout simplement pour faire de nouveau son anniversaire, du coup avec elle. On a fait ça pour découper cette journée et que bah, chacun puisse profiter avec Ruby de l'anniversaire. Donc c'est vrai que du coup ça va être une grosse journée pour Ruby. J'espère qu'elle va pas être trop fatiguée. Je vais essayer de la coucher hyper tôt samedi soir pour que justement elle puisse vraiment profiter de cette longue journée. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, elle sera ravie puisque bah, forcément du coup elle aura 2 fois plus de cadeaux. Deux fois plus bah, d'anniversaire. C'est en général ce qui se passe quand il y a une séparation. Bah, les enfants du coup font plus de vacances et ils reçoivent plus de cadeaux puisqu'il y a et chez l'un et chez l'autre. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi j'espère que ma surprise bah, va être réussie. J'espère qu'elle va kiffer.